Donc, niveau consommation électrique, on a un peu juste... Ah, mais attends, on commence à avoir des trucs intéressants, là. Géothermie. Qu'est-ce qui est le plus intéressant d'habitude? C'était plutôt le solaire. 240 pour 2200. On est à 80 pour 1040. Donc, effectivement... 2002, 1040. Ouais. On est quand même bien au-dessus, là. Le truc, c'est est-ce qu'on peut placer ça sans que ça soit un peu chiant. 240 MW, ça. Ah, on est tranquille. Littéralement, il faut juste que je la connecte, par contre. Sinon, forcément, ça ne marche pas. Tac, voilà. Donc, maintenant, c'est connecté au reste. Et on a le problème à suivre. Passer de matériaux, au fond. Bah, écoute, on va te résoudre le problème relativement facilement. Qu'est-ce qu'on a comme grosse mine? Vaisseau de ménage. Oh, c'est stylé, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Petite mine. Mine moyenne. On va partir sur la mine moyenne. Tac. Une bonne grosse mine. Littéralement. Deux mines. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'en mettrait pas quelques-unes aussi par là? 8000, c'est bon, je suis au max. Littéralement. Ok. Bon, j'espère que j'aurai assez de ressources là quand même. Faudrait peut-être pas abuser, messieurs. Ok, ça monte. Prochain niveau. Ouvrier, on a large. Putain, il y a tellement de monde qui travaille dedans. Rendre bénéfice est ridiculement bas. Mais un niveau aberrant, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la conversion, qu'est-ce qu'on aurait? On a les fours rotatifs. Il faudrait que je rajoute des fours rotatifs, peut-être. Parce que c'est vrai que là. C'est pas fou. C'est globalement pas fou. Ok, alors je suis pas sûr que mettre des pistes cyclables ici ait vraiment de l'intérêt, mais bon, on va y rester. C'est quoi? Piste cyclable au centre. Vas-y, tiens-moi une ligne de type comme ça. Tac, la connexion. Donc reconnecte-moi tout ça. Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire déjà? Ah oui, la mine rotative. 33 incliné, génial. Ah! Ah, j'ai un tout petit problème, zut, j'ai pas prévu ce détail. Bon, bah écoute, ça va partir là, parce que ça fait beaucoup de... Ouais, globalement, beaucoup de... Qu'on appelle ça, de circulation au même endroit. On verra ce que ça donne. Je suis pas certain, je vous avoue. Littéralement. Là, ça risque d'être un gros bordel. On verra bien. Écoutez, on verra bien. Donc c'est bon. J'ai mis ce qu'il y avait à mettre. Niveau dépôt, il y avait quoi de plus? Rien d'autre. Non, bah écoute, on a mis ce qu'il y avait à mettre. Littéralement, enfin... Vous rajoutez 2-3 trucs par-ci, par-là. Est-ce que je peux en mettre d'autres? Bon, après ici, j'ai pas trop envie. On est à plus combien? 140% d'efficacité. Jusque-là, ça va. Ah, par contre, effectivement... si je connecte pas le réseau entre lui, entre eux, c'est pas très utile. Attends, je propose la petite connexion là. Histoire d'être sûr qu'il y a une double connexion. Parce qu'on connaît les petits problèmes. Ok, donc maintenant, 2000 bénéfices, c'est faible. 5000, ouais, ça va bien mieux. Là, on est à combien? 3000. Qu'est-ce qu'on aurait manqué? Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire en même temps. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ici? Est-ce qu'on n'avait pas level up tout à l'heure? Je crois que oui. Non mais attendez, vous allez trop vite, niveau 4. Usine de voiture, oh là là. Attendez, vous allez... je vais mettre, j'ai exporté mes matières premières. Attends, vas-y, on va laisser tomber. Attends, à part ça, juste finir ça quand même. Et puis on devrait faire d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Oh, il y a trop de trucs. Salle de traite. J'avais mis quoi déjà? Je n'en sais strictement rien. Petite grange. Grande grange. C'est bien des granges. Attends, c'est quoi cette zone? C'est la zone d'habitation. Est-ce que je peux te mettre des granges par-ci, par-là? Histoire d'œuf. Tac, voilà. Quelques granges. Je me dis que ça peut être utile. Voilà, petite grange ici. Qu'est-ce qu'ils nous font ensuite? Déjà, les gars, tire quand même la gueule parce qu'il y a une grange à côté de chez lui. Enfin, vraiment, les gars, faut être cohérent quand même. S'il vous plaît, faites des efforts. Abattoir. Parce que j'ai quoi comme usine? Meunerie, meunerie. Étable, étable. Ok, donc j'ai pas d'abattoir. Est-ce qu'on continue de polluer dans la même zone? Quitte à faire. Ça va être un peu compliqué. Peut-être ici.
Est-ce qu'on mettrait pas un double abattoir? Ok, double abattoir. Salle de traite. Est-ce que ça pollue une salle de traite? J'en ai aucune idée. On n'a qu'à dire que non, d'accord. Ça m'arrangerait. Tac, salle de traite. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite? Étable. Ménerie. Ok, attends, qu'est-ce qu'on produit? Parce que eux, il leur faut quoi? De la culture. Il leur faut de la culture pour fabriquer tout ça. Ici, c'est quoi, la culture aussi? Ok, bah, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que t'es alimenté en eau? Pas du tout. Eh bien, on va résoudre ça tout de suite. À coup de gros pompage dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est bon. Le problème, c'est que du coup, j'ai une circulation de psychopathes par ici, globalement. Parce que j'ai absolument tout foutu là, comme un boulet. Est-ce qu'il y a des tracteurs? Est-ce qu'on a mis des... des petits trucs comme ça? Tac, ça, ça dégage. Ça m'a l'air bon. Ça, on peut l'enlever. Attends, c'est ici qu'il y a beaucoup trop de circules. Est-ce que c'est temporaire? Ah oui, c'est à cause de la grange, c'est temporaire. Ça va s'arranger. À n'en pas douter. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on produise toujours plus de matière comme ça. Attends. Comment je fais ça? Littéralement. Fais-moi un truc là. On va essayer de connecter tout ça. Voilà. Et donc, dans l'idée, est-ce que je peux mettre un petit peu plus de matière première? On a quoi? Champ de culture moyenne. Chose qu'on avait déjà là. Bah, écoute, vas-y, rajoute ça. En quelques-uns. Voilà, des petits champs de culture moyenne. En plus. Est-ce que je pourrais connecter? Il y a vachement de circulation là, quand même. Ça devient un peu le bordel par ici, messieurs. Littéralement. J'aurais peut-être dû mettre une grosse avenue. Genre là. On verra. D'accord, on verra bien. Bon, est-ce qu'on peut se focus? Parce qu'il y a trop de choses. Je m'occupe aussi de la ville. Oh, mais attendez, arrêtez de grandir. Il n'y a rien qui va. Excité, c'est bon. Oh, on est un peu juste. Donc on va remettre encore un petit peu. Histoire d'être sûr. Voilà. Connectons tout ça. Traitement des eaux. Comment je peux balancer mon eau dégueulasse? Custom usine intérieure des collèges de traitement des eaux. Ça serait ça. Sauf que là, ça devient quand même sacrément dégueulasse la zone. Est-ce que j'irais pas polluer plutôt là-bas? Vu que de toute façon, ça va être une zone dégueulasse. Voilà. Je t'en mets une double. Comme ça, qu'est-ce qu'il pouvait nous faire dans Cities Skylines 2? Une vraie gestion de, au niveau de la pollution. C'est des conséquences, etc. Une gestion poussée. Ça serait assez incroyable. Passer de matériaux bruts. Vous manquez une minerai? Vous êtes sérieux, les gars? Vous faites pas d'efforts non plus, à un moment. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Grande mine souterraine. Voilà, qui pourrait être intéressant. C'est bon? Ok. J'espère que ça sera suffisant, parce que là, bon... Play. Ok. Donc là, on était bon, là, on est bon. Là, je m'en suis plus trop occupé, et bon... Je sais plus ce que j'avais déjà ou pas. C'est ça, la vraie question. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Qu'est-ce qu'il nous fallait? Est-ce que j'avais tout mis? Transformation du bois, papeterie... Je crois que j'avais à peu près tout. Si je dis pas de bêtises. Ça ressemble à quoi, une papeterie? Tac, il y avait quoi, là? Usine de meubles, entrepôt moyen... Granulé biomasse. J'ai pas fait de papeterie. Est-ce qu'on y va sur de nouvelles papeteries, messieurs? Je pourrais t'en mettre peut-être deux là. Attends, une ici. Le problème là, c'est qu'il y a pas mal de circulation. Mais bon, on verra bien. Transformation du bois. Ça, j'en ai déjà plusieurs. Tiens, je t'en rajoute une. Du coup, 9000, 45 travailleurs pour 9000, 25 travailleurs pour 6400. Donc on va rester sur ceci. Les autres ne sont clairement pas rentables. Voyez-vous. Attends, où est-ce que je peux placer plus de bois? Attends, faut que je tire une route là. Alors. Tirons une petite. What? Je comprends pas. Pourquoi je peux passer une route là et pas là? Ok, c'est bon. Respectez-moi, s'il vous plaît.
Ah, c'est moi de casser la route là. On va tenter un truc. Sans tout détruire, s'il te plaît. Ok. Tu vas me rajouter 2-3 trucs de bois là où ça passe. Juste histoire de. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Attends, peut-être des plus petits qui passent ici. Non, c'est absolument énorme. Encore plus grand. Attends. Pas un qui passerait là? Ça casse le bois. Là. Bah écoute, on optimise un petit peu le peu d'espace qu'on a. C'est déjà un peu compliqué. 6400. Allez, voilà. Ça fera largement l'affaire. Attends, je peux en mettre un tout le long, empêche. En termes d'optimisation de la place, ça fonctionne. Littéralement. 5000, 6400, c'est bon. 6400. Bah voilà. Là, on devrait être bon niveau matière première. On devrait être bon, enfin. Tac, connexion, c'est bon. Tout s'interconnecte, il n'y a plus besoin là. Je me suis peut-être un peu emballé en termes d'employés par contre. Ça, je dis rien. J'ai peut-être vu un peu grand, messieurs. On va voir. Politique. Ça, on avait dit qu'on s'en foutait. Politique, est-ce qu'il y a des politiques en particulier que j'ai pas mis là? Logistique améliorée, automatisation avancée. Et du coup, ici, la même. Voilà. Tout sauf pour le travailleur. N'est-ce pas? Passer de marchandises spéciales. T'as passé de verre. Ok, le verre est où? Le verre, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est eux. Pourquoi ça bosse pas assez, les gars? Passer de matériaux bruts, c'est pas possible. C'est littéralement pas possible. Faudrait peut-être arrêter de se foutre de ma gueule à un moment. Et peut-être... Ah, usine de verre. Vas-y, on va mettre des grosses usines comme ça. Et peut-être commencer à travailler pour de vrai. Je dis ça comme ça. Mais ça serait pas mal. Attends, comment je peux placer des usines de verre sans que ça soit un bordel total? Est-ce que si je fais un truc comme ça... Tac... comment on pourrait faire? Est-ce que je mettrais mes usines de verre juste là? Usines de verre... Voilà. Trois bonnes usines de verre. Ce qui devrait être pas mal. Maintenant, il faut que ça suive au niveau de... Bah, des ressources. Littéralement. Qu'est-ce qui est le mieux pour extraire? 9600. 8000. 30 travailleurs. 55 travailleurs. Non, c'est pas fou. C'est pas fou en termes de petits. J'avais mis plein, mais en fait, c'est la merde. 8000, c'est bon. Ok. Va falloir essayer d'extraire un petit peu des ressources, messieurs, là. Faut être un peu plus productif. Attends, c'est combien de travailleurs là-dedans? 25 employés pour des tout petits. Parce que je pète ça plus tard, on verra après. Une chose après l'autre. Ok, bon. C'est bon? On peut dire qu'on transforme suffisamment. Ma zone ici, elle en est où? Déverrouillage. Petit point de service de marchandises. Oh, placer des fleurs. On débloque petit à petit des trucs. Bonheur 80%. Ça a de la valeur. Bah écoute, ça se passe plutôt bien là, notre zone piétonne. Le problème, c'est qu'elle est trop petite. Et je vais peut-être pas défoncer des zones autour. Donc faudra voir peut-être pour s'élargir plus tard. On verra ce qu'on peut faire. Niveau santé, ça manque un peu d'hôpitaux. On pourrait presque en rajouter un là. Un petit hôpital en plus, messieurs. Crématorium, du coup, j'en avais pas, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Tac, je t'en rajoute. Là où vous voulez. Tiens, petit crématorium. Qu'est-ce qu'il nous faudra ensuite? Pédiatrique, c'est ok. Ok, tout s'est remonté. Ensuite, pompier. On a un très léger souci. 1920, 1400. Ouais, ça va mettre un petit peu de te balancer. Bon, du coup, je deviens un gros pompier, mais. Ça coûte cher. Globalement, ça coûte extrêmement cher. Haute capacité, 40 pompiers en service. Ok, bon là, s'ils sont pas contents, je sais plus quoi faire. Littéralement, est-ce que j'ai des zones? Là, j'ai une zone qui est pas couverte. Voyez-vous. Tiens, voilà. On a mis ça. Nous sommes bons. Ensuite, la police.
J'arrive pas, il y a toujours de la criminalité ici. Il y a rien à faire. Dépôt de police, 1600 par mois. Ouais, je suis à plus 60 000 par semaine. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal globalement. On va pas se cacher. Est-ce que je peux te mettre du coup la... Soyons fous, je te mets ça là. Avec, si je peux placer la prison là. Monte la zone... Attends, non, ça fait le bordel. Va foutre ta prison de l'autre côté. C'est sacré quoi du coup autour? Pollution sonore. Globalement, voilà. J'ai envie de vous dire. Tiens, vas-y. Ah là, bah, trop fond là, la prison, littéralement. Ça sera parfait. Donc il faut qu'on la connecte. Connexion, un petit peu d'eau. Parce qu'on n'est pas un monstre non plus. N'est-ce pas? Donc, police, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fallait ensuite? Éducation, on est toujours un peu juste. Collège, on est très juste. Littéralement. On a quoi? Institut technologie moderne. Attends, il n'y a pas de... Université haute capacité. Lycée haute capacité. École alternative. Bibliothèque. Ah, bibliothèque, j'en ai pas mis. Je suis un boulet. J'ai littéralement pas mis bibliothèque depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que ça prend une chie de place. Voyez-vous. Comment je vais placer une bibliothèque sans foutre un bordel total? Il n'y a pas vraiment de solution magique. Tac, bibliothèque là dans la zone paisible. Sur le bord. Ok, bibliothèque. On les place comme on peut. Oh, ça prend trop de place. Littéralement. Voilà, messieurs. Comme ça, ils ont de quoi faire. Ah merde, je casse littéralement tout. Il n'y a pas moyen de mettre ça sans éclater littéralement le quartier entier. Parce que là, j'avoue que bon... Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu extrême. Vas-y, ici. La bibliothèque. Il nous fallait quoi, collège et lycée? On manque littéralement de tout. On accélère un petit peu. Collège et lycée. On met un lycée à haute capacité, du coup. J'imagine un deuxième par ici. Ça fera très bien l'affaire. Donc juste là. Ok. Donc lycée, on est juste. École, on est toujours juste. Vraiment, je rajoute du coup une école haute capacité. Ça coûte cher, messieurs. C'est un petit peu dans l'abus, quand même. Université, c'est bon. Collège, c'est juste. Je vais quand même pas t'en mettre encore un autre. Faudrait peut-être pas abuser non plus. Littéralement. Et université, on est ok. Juste aussi. Je vais peut-être passer sur université des hautes technologies. Histoire qu'il soit content. Tac. Voilà. Petite école en plus. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas totalement charmant? Voilà. Ça y va fort. Est-ce qu'ils ont assez de matériaux par ici? Ça a l'air d'aller. Ok, ça tourne. Eux, du coup, reçoivent... Ça manque un peu de farine à chaque fois, j'ai l'impression. Attends, du coup, faire de la farine, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a? C'est celui-ci, il n'y a pas d'autre. C'est de la viande et de la viande. Ok. Alors, pour te faire un peu de farine. Écoute, ça va partir... juste là, littéralement. On va te rajouter, voilà, 3 de fer. Ça n'a plus aucun intérêt à les connecter, c'est pas grave. 3 meuneries. Comment ça on dit? Meuneries. Si je dis pas de bêtises. Juste là. Bon bah on s'en sort. Le truc c'est que j'ai pas grand chose pour exporter tout ce bordel. Enfin j'ai même littéralement rien du tout. Va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Le problème c'est qu'il y a tellement d'autres choses que je veux faire. C'est un enfer. J'ai accès à tout, faut qu'on mette tout le reste aussi du coup. C'est un enfer monsieur. Commençons à faire les choses dans l'ordre. Terminal de train de marchandises. On va déjà mettre ça. Je suis où? Je suis là. On va essayer de t'en mettre plusieurs du coup. Placer le long de la route. Donc l'idée c'est d'en mettre là, là. On va essayer d'en placer plusieurs, on va voir. On va essayer de te placer ça au mieux. Ce qui veut dire... Logiquement, pas que je fasse de bêtises. Il faut un sens unique du coup. Il nous faut un sens unique forcément, sinon ça marche pas. Sens unique avec... en même temps, la voie de vélo, absolument aucun intérêt là. À un moment, soyons cohérents, messieurs. Je vais clairement pas te mettre... tac. Ça
Ça en ferait un là. Ensuite, je pourrais t'en mettre un ici. Ici ou là? Juste là. À la limite, ça me ferait un là. Comme ça. Ensuite, on pourrait en mettre un par là. Ça fait beaucoup de circulation, plutôt ici. Juste là, comment on va le faire? Comme ça, pour qu'il puisse passer. Le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse passer, messieurs. On va faire un truc comme ça. Il y a déjà tellement de circulation. Ça va être un bordel sans nom. Où est-ce qu'il faudrait que je le reconnecte, ce truc? Bon, attends, on met-le là. Merci bien. Ça continue de s'agrandir. Et le dernier, on le mettrait juste ici. Pas trop pourquoi, mais bon. On s'en met partout. J'ai envie de vous dire. Littéralement. Enfin, ça ferait comme ça. Comment on peut en faire? Et il descendrait directement d'ici. Ça me paraît bon. Donc, vas-y, mettons nos trucs de marchandises. Carrefour aérienne, ok, c'est bon. Donc, on a juste à le connecter. Voilà. Oula, attendez, calmez-vous. Calmez-vous, laissez-moi jouer 2 secondes. Ça part dans tous les sens, littéralement. On va essayer de prendre de l'eau en paquet des bouchons. De type inutile, voilà. Donc, celui-ci, ok. On le connecte à tout ce qui manque. Voilà. Électricité. Tu vas le prendre de l'aéroport. S'en fout le bordel, s'il te plaît. Voilà. Premier truc de marchandise, ok. Ensuite, où est-ce qu'on voulait les mettre? On voulait en mettre un ici, je crois. Si je dis pas de bêtises, pourquoi je suis en sous-sel? Laissez-moi tranquille. Un ici. Ce qui veut dire... Petite connexion. Ça fait un truc bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sort, messieurs. Voilà. Connecté. Électricité. Je vous tire ça. On est parfait. Un petit train de marchandises en plus. Je sais pas si on met genre vraiment des tonnes. Genre même un ici. Attends, j'ai pu en mettre un là. Je peux presque en mettre un ici, mais bon. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'en mettre autant. Ou pas. Après, j'ai l'air trop dense. J'ai trop de circulation sur la voie, de toute façon. Je suis en train de me dire que ça va de toute façon être le bordel. Par contre, là, le problème... Est-ce que ça va passer sans que ça fasse des bouchons de la moitié? C'est ça la vraie question. Vas-y, alimente. Comme ça, c'est tout bon. Petit câble électrique. On n'en parle plus. Parce que le problème, c'est que après, j'ai avoir trop de monde sur ma voie de train. Littéralement. Ce qui pose problème. Donc, on la connecte pareil. Ça va le faire. Ensuite, ouf. Où est-ce qu'on a tout ça? Voilà. Petite électricité. Et que la magie soit, messieurs. On va commencer à pouvoir exporter. Enfin de quoi exporter tout ça avec le train. Parfait. N'est-ce pas? Usine de limonade. Ouais, j'ai plein d'usines à mettre en plus, c'est vrai. Ah merde, il fallait le connecter, lui. Vous êtes de type un peu chiant, monsieur. Je vais vraiment tirer un câble pour toi. C'est très sexy, dis donc, sur la plage. Y'a pas à dire. Y'a pas à dire. Ça valait la peine. Par contre, c'est vraiment dégueulasse, cette zone qui pollue en plein centre-ville. C'est pas folichon. Globalement, enfin... Là, j'aurais peut-être mettre un sens unique. On verra ça plus tard. Mais j'imagine qu'un sens unique pourrait aider. Voilà, ça exporte directement là, regardez. Là, ça y va fort. Ouf. Ouh. J'ai un petit problème par ici. J'ai le dépôt de tram, j'ai le centre de tri. Et j'ai les ça. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un tout petit peu compliqué. Il faudrait que je la fasse passer au-dessus ou je sais pas. Je vais mettre peut-être un rond-point là, un grand rond-point. On verra ça. Ah oui, ça commence à être le bordel là. Oh, oh, oh. Il y a un peu de monde. Il y a 2-3 ouais, personnes qui passent par là. Là, du coup, il n'y a pas grand monde. Je sais pas s'il faut déplacer peut-être ça. Parce que là, on est en train de foutre un bordel pas possible, littéralement. N'est-ce pas, messieurs? Puis j'ai tous ces trucs à rajouter. Il y a tellement de trucs à faire. Il y a juste tellement de trucs, c'est n'importe quoi. Mon poisson, il est ok. Qu'est-ce qu'on avait? Qui était de type urgent, messieurs?
Qu'est-ce qui était le plus urgent à placer? En termes d'usine spéciale, j'ai accès à quoi? Imprimerie, bah j'ai pas encore le pétrole, donc c'est mort. Usine électronique, j'ai pas le pétrole. J'ai pas le pétrole. J'ai pas le pétrole, toujours. Pas de pétrole. Toujours pas de pétrole. T'as fait du pétrole partout. Ah, mais d'accord, les petites boules, c'est le pétrole, oui, c'est sûr. Bah, pas de pétrole. Bon, bah, sans pétrole, on est un petit peu bloqué, globalement. Il va falloir investir dans du pétrole, messieurs. Incessamment sous peu. Donc, le pétrole, c'était plutôt par là. On avait la zone du bas, mais ouais. Ça serait vraiment celle-ci. On achète la zone. Oh, j'ai encore accès à une autre zone. Mais ça, on verra plus tard. Ce qui veut dire... va falloir qu'on essaie de développer par ici, messieurs. Oh, il y a des restes d'un... Regarde les forts pour empêcher un débarquement. Excellent. Du coup, on a atteint les 38 000 habitants, messieurs. On s'en sort, littéralement. Attends, comment ça, centre de fret, c'est pas... Ah non, au port. Ok, du coup, on a max. Est-ce que j'ai accès? Très, très bonne question. On a normalement une voie maritime. On a totalement une voie maritime. Oh, oh, c'est bon ça. Regardez-moi ça. On va pouvoir mettre littéralement. Alors, est-ce qu'un seul va suffire? Dans 90 000, j'ai de l'argent. De toute façon, c'est pas un problème. Ce n'est point un problème. Là, j'ai pas accès à la zone. Je sais pas si on met. Là, je suis trop proche. Est-ce que j'en mets un deuxième ici? Je vois pas. Oui, parce que j'aurais le pétrole du coup ici. Ça peut valoir la peine d'en mettre un deuxième. Parce que du coup mon pétrole il est où? Ah, je suis en plein dessus. On va éviter de mettre ça en plein dessus. Du coup tu vas me mettre ici. Tac. Juste là, parfait messieurs. Et la question c'est est-ce que je vais pouvoir... Attends, on va tenter un truc du coup. Un truc un peu bourrin je vous l'avoue. Mais un truc quand même. Est-ce que je peux m'aligner sur le bord? Niveler le terrain. C'est comme ça? Attends. Réduire le terrain, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, normalement je vais pouvoir comme ça récupérer un peu de zone. Ouh oui. L'idée, c'est de décharger le... ce qu'on a pu récupérer jusqu'à maintenant en délicieux sable pour aller récupérer un peu de terre ici pour aller explorer, enfin récupérer tout ce pétrole qui est littéralement là-dessous. Regardez-moi ça. Comme ça, on va pouvoir exploiter le pétrole de manière bien plus qualitative. Et là, on va s'en mettre plein les poches. C'est pas comme si c'était presque à 100 000 par semaine, déjà. On n'a jamais trop d'argent, messieurs, n'est-ce pas? 28 000. T'en montes, ça. Alors, le problème, c'est que... Forcément, il faut attendre que l'eau se barre. Mais je crois qu'on est bon. Littéralement. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a littéralement l'air de marcher. Attends, je vais plutôt prendre là. On va tenter... de faire un truc qui a du sens. Allez, vas-y, repousse-le. Repousse-le littéralement. Fin. Oh là là. Ça va récupérer des tonnes de pétrole, messieurs. Histoire de se mettre bien. Fin. Voilà. Fin. Ça nous fait une belle côte. Comment récupérer un petit peu quelques mètres carrés? On la joue à la Monaco, littéralement, là. On la joue littéralement à la Monaco qui va agrandir ses côtes. C'est littéralement ça. Ça coûte pas si cher. Vu que j'avais plein de terre en stock, c'est pas vraiment un souci. Ce qui m'arrange du coup fortement. Regardez-moi ça. On a bien, bien, bien agrandi la zone. C'est absolument charmant. Enfin, c'est parfait, regarde-moi ça. Comment prendre une tonne de place en plus pour l'industrie du pétrole. Qui sera comme ça très bien placée. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'eau va se barrer? Alors, est-ce que l'eau va réussir à se barrer tout seul? Parce que si c'est pas le cas, ça peut être problématique. Comment je fais pour qu'elle se barre? Pardon, monsieur! Mais faudrait partir, là. Faudrait nous laisser tranquille. Voilà. Est-ce qu'elle se regroupe et elle va disparaître? Ou est-ce qu'elle va rester là indéfiniment? On va essayer de faire ça le plus plat possible. Ben voilà. C'est idéal, messieurs. Regardez-moi ça. C'est idéal, littéralement. Bon, j'ai plus de terre en stock. Mais bon, on a récupéré un bon bras en plein sur le pétrole. Ça n'a pas fait de conneries. Exactement, ça je garde pour pouvoir mettre des trucs offshore. Et là, on pourra se faire plaisir. Ouh. On va pouvoir se faire plaisir, messieurs. Alors, comment va-t-on faire ça? Tac. Celui-là.
Est-ce qu'on tire directement, ce qui n'a pas vraiment de sens. Mais bon, vas-y. On verra plus tard pour la logique. Pour le moment, on va surtout remplir tout ça. Est-ce que j'emplis entièrement? Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. On a de l'argent, de toute façon, c'est pas vraiment un problème. Puis bon, c'est la zone du pétrole, c'est le jackpot, messieurs. Donc, point de souci de ce côté-là. On va pouvoir amortir tout ça sans problème. Voilà. Bah, sauf qu'on a dit qu'on voulait se concentrer sur d'autres choses. Mais juste le pétrole. Ce qu'il en faut absolument. Mais après, on pourra se concentrer sur d'autres choses. N'est-ce pas? Attends, ce qu'on problème, c'est que... Est-ce que vraiment... J'avais besoin de mettre ça maintenant, là? Pas vraiment. Globalement, enfin... Vas-y, jusque là. Parfait. Donc au moins, il est connecté. Mais en même temps, j'ai encore rien qui va là-bas, donc bon. Intérêt sur 100, j'ai envie de vous dire. Globalement, enfin... Attends, j'avais quoi? Gazon décoratif... Faudrait une grosse route avec des trucs pour les piétons. Piste cyclable. Alors, piste cyclable, c'est bien, mais sans les arbres, parce qu'ils vont être dégueulasses, les arbres.